سمية إيراوي، وزن أقل من 52 كيلوغرام، ميدالية ذهبية. الحمد لله أنا جد فرحانة بلا بيرفورمانس ديالي وبالإنجاز ديالي هذا البارح. وبالنسبة للكومبيتيسيون دازت مزيانة وكانت المنافسة قوية، لكن الحمد لله احنا جينا مستعدين وجينا حاضرين بقوة، والحمد لله درنا نتيجة مشرفة بالنسبة لكاع لي كاتيغوري. وهذا غير خطوة كنستعدوا بها للشامبيونات دي موند والكاليفيكاسيون لي جوز اولمبيك ان شاء الله. Ce que je voulais dire déjà, vous étiez combien à compétir dans cette catégorie? C'est bon. Et c'est quoi la prochaine étape? Les championnats du monde, Inch'Allah, Budapest. Mais avant cela, c'est le médaille d'or, ça vous mène aux Jeux Olympiques. Développez un peu, s'il vous plaît. Vous dites que vous nous parlez de manière longue, quoi, la prochaine étape, comment comptez-vous vous préparer, et voilà, les étapes à suivre. هاد لي شامبيونات دافريك هادو غير ايتاب كنساعدو بها لي شامبيونات دي موند كيفاش كيما قلت، والحمد لله كنحسو براسنا في الطريق الصحيح، وان شاء الله غيكونوا دي بون ريزولتا في لي شامبيونات دي موند ان شاء الله، وغيكونوا لي كاليفي في لي جو. Bonjour à tous, c'est Hanan Karoumi, coach du Maroc féminine. Donc on a commencé la 42e championnat d'Afrique qui est qualificatif aux Jeux. Là hier on a eu 2 médailles d'or et 3 bronzes, mais on a raté encore 2 médailles d'or, mais alhamdoulilah pour les résultats. Et j'espère que aujourd'hui et demain, nos athlètes vont nous ramener plusieurs médailles. Okay. Aujourd'hui, vous avez combien d'athlètes qui sont en liste? Aujourd'hui, on a 5 athlètes. Trois filles, la catégorie de 63, 2 filles, la catégorie de 70, une seule fille, la catégorie de 73, un garçon, catégorie de 81, un garçon. Donc là, on est bien préparé. J'espère qu'ils vont faire le meilleur pour gagner leur première place. Quels sont les objectifs de l'équipe nationale marocaine pour cette compétition? Là, on a l'objectif de qualification pour les Jeux olympiques. Actuellement, on a deux qualifiés, mais on a démarré le programme dès maintenant pour les Jeux 2024. Là, on a commencé avec les jeunes. On a ramené plusieurs jeunes pour les championnats d'Afrique et j'espère qu'ils vont gagner des médailles pour leur qualification les prochains Olympiades. Merci à vous. Vous avez gagné facilement ou bien ça c'était pas le cas? Non, c'est jamais facile. Il y a beaucoup de préparation derrière, donc aucun combat n'est facile, mais parfois il y a des combats qui se gagnent plus facilement entre guillemets que d'autres, mais derrière il y a un gros travail de préparation. Il ne faut pas juger seulement à l'instant présent. Et quelle a été donc la préparation derrière? Parce qu'hier vous avez remporté 2 médailles d'or. Aujourd'hui donc ça commence bien pour vous. Quelle était la préparation donc derrière? Il y a eu beaucoup d'années de judo derrière. Ensuite il y a beaucoup de prépa physique, beaucoup d'entraînement judo pour être prête le jour des compétitions. Quoi. Personnellement, quels sont vos objectifs dans cette compétition? Personnellement, je cherche le titre aujourd'hui. C'est ma première participation, donc j'aimerais bien aller chercher un premier titre. Votre prochain combat, c'est demain ou bien aujourd'hui? C'est aujourd'hui, tout est aujourd'hui. Merci. De rien. Salam alaikum. Les deux combats, les deux premiers combats, nous sommes plus que nous tactiques. Les premiers combats, parce que je suis très content de la faute. Je suis très content. ما كاين لا ريبيشاج ما تقدرش تلعب على لا تخوازيام بلاص باش تكون بلو كونسونتخي بزاف و سي تو. مون اوبجيكتيف سي داتر دو شامبيون دافريك 2021 دون ما كاتيغوري. عصام باسو وزن اقل من 60 كيلوغرام ميداليه ذهبيه
كانت المنافسة قوية في افريقيا.